on a proposé des pots pour peser les légumes à la place de peser avec des sacs plastiques. Et de ne plus avoir de sacs plastiques qui traînent, rien à la fin du marché, des sacs plastiques autour du marché, mais aussi plus tard dans la mangrove et dans le lagon. Quand on cuisine du riz, pour combien de personnes? Quelle quantité? C'est très bien, il faut sensibiliser les gens au gaspillage. On va récupérer tous les légumes et comprendre comment on peut faire intelligemment et en limitant les déchets. Une super soupe est passée à un très bon moment. Comment utiliser en fait les restes chez soi? Comment ne pas gaspiller du vieux pain? Comment utiliser des fruits un petit peu abîmés? Voilà. Et au niveau d'ADEME, ADEME qui coordonne la semaine européenne de réduction des déchets, c'est une des grosses manifestations de l'année, c'est important, ça touche tous les gens. Très important. C'est bien de dire ça parce que je pense qu'on est essayé dans la prise de conscience, dans le basculement de la prise de conscience. Et donc quand les gens ne demandent que ça, ils demandent qu'à apprendre comment réduire le gaspillage, d'abord c'est une gain d'argent aussi. Moins bien payé, c'est moins difficile. Village donc où les artisans sont présents pour montrer aux consommateurs qu'il est préférable aujourd'hui de réparer plutôt que de remplacer son matériel. SERD, c'est la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, pour faire la promotion du réemploi, de la réparation, de toute action qui vise à réduire la production de déchets dans un cadre de prévention, car le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Après 7 mois d'expédition, il nous a semblé une très bonne idée d'arriver les jours de la semaine de réduction des déchets pour marquer justement notre volonté de contribuer à ces débats. La solution, c'est réduire, c'est recycler, c'est trier. Donc c'est très important de rapprocher les enjeux environnementaux du quotidien de tout le monde pour que la population vraiment comprenne, s'implique à tous les niveaux. Et la semaine de réduction des déchets est là pour ça, et l'arrivée de Tara est là pour ça aussi. Projet gaspillage alimentaire à la cantine, et ici toutes les bandes vertes sont les aliments livrés et toutes les bandes marrons sont les aliments qu'on a gaspillés. 13,10 kg, ça fait beaucoup déjà.